Je vous parlais de KO de Champs-Lucie qu'on retrouve, alors vous m'excusez parce qu'il y a des fois avec les week-ends qui n'en sont pas, comme pour vous tous qui travaillez avec les chevaux, comme nous aussi, on ne sait plus qui est samedi, qui est dimanche. Mais Echo, on doit le retrouver aujourd'hui ou demain à Vincennes dans le Prix du Forez, ça doit être demain. Et en plus, il va gagner, donc ça, c'est sympa. Parlons de Quinoa du Gers. Quinoa du Gers, vous avez affaire ici avec tout de même à un cheval millionnaire en gain devant vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on les croise. Millionnaire en gain pour ce fils de Ganymède et une mère par Jorky. Donc, on retrouve ici également un pédigré sans aucun doute et qui peut vous plaire. Premier au concours de sélection en son temps, trotteur classique avec un record d'une 10. C'est l'union de Ganymède et de Jorky, je vous le disais. Une production qui se retrouve à peu près à tous les étages de la compétition. Et lorsque je regarde les statistiques remises à jour en direct sur notre site, 265 victoires pour tous ces produits, plus de 6 millions d'euros de gains pour ces produits à ce Quinoa du Gers. Plus de 100 chevaux qualifiés également, ils sont au nombre de 107. Et c'est valable pour toutes les générations, parce que chez les jeunes, ça marche également. On les compte, les jeunes produits qualifiés chez Quinoa du Gers.